Attends, bonsoir ton tube, on vote. Les seigneurs de la mer. Dites bonjour. Ah, c'est d'art qui fesse. C'est ma manière de voter. C'est stylé. Merci. J'aime ton style, mec. Où il y a des gens? Oh, Maître Games. Jack, you're a slightly ethereal sight for sore eyes. Still, I can't help noticing a particular trinket is somewhat conspicuous by its absence. Aye, that's because Jones and his new friends still have it. Seems he used it in some sort of ritual before escaping back to the Dutchman. Extremely ungentlemanly behavior, of which I heartily disapprove. With the treasure's power in him clutches, Davy Jones and the Dark Brethren can move freely between worlds. They plan to sail to the Sea of the Damned just as you did, to take it over and destroy the ferryman. And if that happens, only pirates who swear an oath to Jones will be allowed back from the land of the dead. But that means he controls everything. It'll be the end of this place for sure. And what are we supposed to do about all this? Jones has a whole fleet now, and we don't even have a ship. Well, I for one intend to get my treasure back, even if I have to swim. Fortuitously, there's a speedier alternative available. You, I'm commandeering your vessel, and all who sail aboard her for essential pirate business. Besides, you've got as much of a score to sell with Jones as I. Aye, it may be a lost cause, but if anyone can win a fight for pirates, it'll be Sea of Thieves pirates. Ah, still, there's a mite bit of ocean to cover, and we've only one ship. Where would we start? The doorway to the Sea of the Damned was opened from this world, and now it must be closed the same way. But to find it, we need something special. Something touched by the hand of Davy Jones. But we ain't got nothing what belongs to Jones. Our safety's in our pockets, eh? Wrong. I have something. Thought I might use it to open up a cabinet. De la poudre de perlimpinpin. I will always find you, Davy Jones. Well, now that we have our heading, it's time we set sail. Meet me in your ship's cabin, where I shall be hard at work strategizing a strategy. And then forth we shall sally. Savvy? Aye. And we'll see if we can't muster up some help at the outpost. Good fortune. And a fair wind to us all. Go. This is the last chance to stop Davy Jones. If we do not put an end to the Dark Brethren, the light of freedom will vanish from this world. Forever. Ouais, let's go. C'est parti, let's go. C'est parti. Attendez, il y a le bouquin à lire. Listen, mate. I've been thinking about what Sir Dormus said. That the door Jones open can only be closed from this side. If that's true, he'll not have left it unguarded. Now, I'm a man very much accustomed to thinking on his feet. But even I'm inclined to stock up on provisions. Before we sail to almost certain death. Plenty of planks, cannonballs, that sort of thing. Best not to head into battle empty-handed. Heureusement, on a tout, on a pensé à tout. On est déjà plutôt pas mal.
Donc, vous voulez que je vous lise un bouquin, c'est ça? Pas forcément. C'est juste que si t'as envie de le lire, tu peux le lire. Un trésor sans égal. Ce trésor est capable de nous transporter entre les mondes. J'ai suivi son appel jusqu'à ce lieu si lointain. Mais ces mers ne sont pas les miennes. J'ai échoué dans un lieu où nos histoires peuvent vivre éternellement. Alors que je retrouve mes forces, le vent murmure. Il m'enseigne les chants du chagrin. Parlez-moi du sort du plaisant Jack. Avertissez-moi si le vent tourne. Deux peines jumelles se sont jointes unies dans la haine. Une haine pour la liberté qu'ils ont oubliée. Sea of Thieves est né d'une idée. L'idée de la vie de pirate, d'être libre pour toujours. Lorsque les pirates ont fait de cette idée une réalité, ils ont rallié à eux tous ceux qui désiraient la liberté. À présent, ils doivent se battre pour préserver la vie de pirate. Grâce au pouvoir du trésor, les frères de l'ombre s'empareront de la mer des damnés pour toujours. Ils seront les seigneurs de la mer, et ça a déjà commencé. Cherchez la vision de Davy Jones. Dans les cieux, sous son nuage se trouve votre butin, votre destin. Voilà. C'est tout pour moi. Bon du coup je crois qu'on va aller vers le nuage là-bas. Vers le nuage là-bas. Le nuage qui est à bâbord sur l'île en face. J'aurais dit à tribord. Je t'invite à regarder là. Tu vois où je pointe avec mon sniper? Ouais, je viens de voir, j'ai tourné la tête, j'ai vu. D'accord. Voilà, après moi je dis ça, ce que tu veux. Hein. Oh, on a une chaloupe, intéressant. Va voir les boulets. Ah. J'arrive du coup. C'est pas trop mal. Voilà, les boulets, j'en vois un sur le pont, l'autre je vois pas où est-ce qu'il est. J'arrive. Dans le tonal. Je suis encore sur les quais. Ah mais moi j'ai levé l'angle Ferrero hein. Moi on m'a pas dit j'étais pas là. J'étais en retard. J'étais là. Ah mais ça c'est pas mon problème. Faut braquer encore je crois. Il est un peu plus à droite. Un peu parce que tu vas devoir braquer. Peut-être déjà que je la descende celle-là. Ouais, ça serait peut-être un peu mieux niveau vitesse là. Ah tu ouais. Tu me dis quand t'as barré droite. Ah ouais, c'est bon, je suis droit là. Ok, parfait. Deux. Bon, oh, parfait, j'ai rien besoin de faire. Très bien. Oui, ramenez le seul animal important de ce du jeu. J'arrive. Est-ce que je prendrais pas lunaire? Allez hop. Pour une fois, on sort lunaire. Un poil plus sur la droite, monsieur. Encore un peu plus à droite. Globalement ouest, nord-ouest, ouest. Hein. Faut que tu tires sur ta barre un peu. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Légèrement. Donc faut vraiment que tu tires sur le nord-ouest un peu. Hein. Je sais que le navire dévie énormément. Ah désolé pour tous ceux qui ont le mal de mer. Hein. Ah c'est sûr. Hein. En même temps, je pense pas que les gens qui ont le mal de mer regardent ces vidéos. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui regardent ces vidéos tout court. C'est beaucoup trop long. T'imagines pas, la vidéo elle fait plus de 10 minutes 25 secondes. Okay. Rocher droit devant. Ouais. Si tu restes comme ça, tu vas l'esquiver. C'est bon. Oh là, c'était brutal, hein. On a changé de saison. Ouais, c'était. Et le vent a changé là, également. Tout droit, on va se prendre le. Va falloir braquer à droite, monsieur. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis dessus, t'inquiète. Un avant-poste de pêche. Avant-poste de pêche. Mmh. Ah, ce. Un petit peu plus à gauche. Il voit normalement, il a la vision. Je suis dessus aussi. Nice.
Mieux vous prévenir que guérir. Regardez dans les heures. Sur la bâbord. Non, pas du tout bâbord. Wouah, comment c'est trop beau! Te rentrer une voile. Faut aller à la barre, vite. Je rentre la voile avant. Gauche. Bah on jette l'encre au pire. Il y a des tonneaux droit devant. Des quoi? Tonneaux. Adieu les amis. Il y a des bateaux. Eh, je vois rien. Hein. Vite, jette l'encre. Jette l'encre. Il y avait plein de boulets trop de caillou. Trop tard, on va taper le caillou. Non, en fait, pas ça. C'est bon. Oh, par contre, il y avait genre 50 boulets. Hein, dans... C'est bon, vous prenez des vrais tirs. On prend des vrais tirs. Je vais réparer parce que là on prend des tirs. Ouais vas-y, bah il faut que tu m'aides aussi à relever l'ancre. Attends. Parce que là on prend l'eau. Ah mais du coup moi on est mal posé là. Il s'est allumé des deux côtés. Bon, let's go, c'est parti. Ça se passe bien pour vous là? Ouais, on navigue encore. Hein. C'est lourd. Je trouve ça beau ce que vous faites, hein. Je suis manqué un bas. Non, mais pas. Comme on dit, du moins qu'on ne bouge pas, c'est cool, c'est ça? Non, ça cool, Lyon. Ouf, oh, je suis arrivé, j'ai pris un boulet de canon dans la tronche. Ils sont trop longs. Il y a des pigeons fantômes là-bas, faut que j'aille voir.
ships he may call. Ah, j'ai trouvé une porte qui mène sur les enfers. Il y a un bateau qui en sort. Oh, j'ai trouvé du loot fantôme. Il y a quoi là-dedans? Sérieux? Oh, c'est du butin. Du butin de putain. Sachez-le. Oh, ils sont beaux leurs bateaux. Oh, bravo, vous l'avez tué. Du coup, j'ai une autre caisse à butin de putain. Un truc du genre. Caisse. Oh, alors il faudrait que je fasse du transfert de caisse. Let's go, c'est parti. C'est parti. C'est juste parti, les gars. Ah bah, c'est parti. Je fais de la boîte-ception là. Je vais tomber sur un requin, il va me OS et j'aurais rien fait. C'est trop bien. Et ça, c'est beau. Bah, en fait, non, pas vraiment. Ça, c'est moche plutôt. Bon, je prends pas toutes les planches, hein. je prends juste ce qu'il faut pour revenir. Je suis des boulets de canon en admettant qu'ils tirent à peu près sur vous parce que je vous vois pas. Hein. Ouais, moi aussi pareil. Ah, c'est bon, je vous vois. J'ai eu une petite vague, j'ai pu vous voir. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de grosses sirènes à bouclier là. Non pas bon. Et on est en train de couler, j'ai l'impression, non? Mais non, on coule pas. Ah, je viens de me faire niaque par un caquin. Merde. Vite! Pose-moi ça. Il où le quinquin? Sale tarba. Par contre, on a pris des coups à la barre. On a un coup de barre, du coup. J'adore son humour. Non, pas du tout. Elle est où ma boîte? Elle est là. Vite la boîte. Tout pour la boîte. Alors c'est comme on dit, on pourrait boire la tasse mais... C'est bon, j'ai la boîte. J'arrive. Je suis en mouvement. T'as vu YouTube ce gameplay que je t'offre? J'espère que t'as déjà changé de vidéo. Hein. T'es désabonné hein, aussi. Pour tes pouces rouges, tu peux les garder, on s'en fout. Un noir, du coup. Enfin, hey, t'es lent, hein. Je crois que ça existe plus. Tout va s'écrouler autour de nous. Ah, il y a un lac qui a pris un shot. Ah, je vous conseille de pas ouvrir les voiles, hein. À mon avis. Si vous ouvrez une voile, ça va mal se passer. Ah ouais? Ouais, je pense. J'ai vu les mâts prendre des tirs. Ils sont tous les deux en train de bricoler leurs mains, ils sont trop mignons. Ah, c'est beau, hein. Alors, ah, si le jeu m'envoie pas deux requins me niaquer le fion en même temps, normalement je vous ramène une boîte fantôme. Et ça, quel plaisir. Regardez, une boîte fantôme avec du loot sur le pont. Hein. C'est mon cadeau. Faites des trucs intéressants. Je fais des choses extrêmement importantes, ok? Comme notamment... Notamment. Tribord les gars. C'est juste parce que c'est considéré comme étant en train de pleuvoir en ce moment, c'est ça? Où dedans, je suis en côté. Ah, je verrai pas. C'est pour moi. C'est réparé. Il ne s'est rien passé, sachez-le. YouTube, ce gameplay incroyable que je t'offre. Personne n'a jamais osé de faire ça avant. Sache-le. C'est incroyable.
pas si élusif que ça. Oh là là, les mots old school. Trop bien. Même Arthur, il sait pas ce que ça veut dire. Quoi? Élusif. C'est ce qui est élu. Ah. Oh. D'accord. Vous voyez, même Arthur, il sait pas ce que ça veut dire. C'est puissant, l'illusion, comme on dit. L'illusion est parfaite. Mm-hmm. C'est réparé, c'est copé, hein. Celui-là aussi, hein. C'est Jean-François et Copé. Ouais. Sans qu'il ait été incriminé, bien sûr. Oh, il y a plein de loot partout à ramasser. Il y a du loot. Ouais, bah tu vois, les fantômes, quand ils volent au-dessus de quelque chose, c'est qu'il y a des caisses de loot. Mais c'est juste des caisses à boulets de canon, les trucs que je vous ai posés sur le pont, là. Donc n'hésitez pas, hein, servez-vous, hein, c'est là pour ça. Ok. Ça m'évitera d'avoir la vidéo. Il faudrait qu'on avance, puisque... ou alors qu'on tourne. Ah, je peux vous faire tourner, si vous voulez. Ah bah, il tourne tout seul. Formidable. Et il fait tourner les serviettes. Je crois qu'il manque une planche. Je suis pas formel. Je crois qu'il manque deux planches. Je suis pas formel. Je crois qu'il manque trois planches. Je suis pas formel. Non, on vient prendre trois tirs d'un coup pour trouver une connerie. Insupportable. Félicitations, camarade. Le navire est toujours à flot. Le navire est toujours à flot. Il le vit mal, mais il est à flot. Hein. Par contre, il le vit genre super mal. Hein. Mais il est toujours à flot. Il tire vraiment comme un pignouf, ce Jacques Séparo. Eux ils touchent, mais nous on a du mal. Hein. C'est vous que ça regarde. Ah, vous avez fait le choix d'être statique, les gars. Hein. Bah, ouais, mais là, si on peut ressortir si tu veux, hein, mais. Vas-y, je reste à la barre. T'es sûr? Vas-y. Tu te mets au canon et moi je fais la répa. Vas-y, let's go. YouTube, ça les intéresse pas de me voir tirer sur des bateaux. Allez. Ils veulent me voir pêcher. Donc je vais pêcher en même temps pendant que c'est la guerre. On fait ça? Non. Je crois que je viens d'entendre dire je te déteste. Ça peut être ce que j'entends. Vite, il faut utiliser le bois pour réparer le bateau. Attends, pas la peine de mettre les voiles à fond. Bah, à droite, tribord. T'inquiète, je l'ai, hein. Il l'a pas. Babord. Je peux pas être à deux fois à la fois. Ok, je suis à babord. Ouah, c'est trop beau. Tribord toutes, les gars, tribord toutes. Bah tourne ton macaron là, mais j'ai plus d'angle de tir là. Tourne ton Emmanuel Macron. Je suis au max, chef. Bah c'est pas suffisant. On est contre le vent là. Les bruits de canon, bon c'est spécifique. Bon, je vais aller réparer, parce que j'ai pas l'œil. Oula, j'ai un trou d'eux. Bon, ça devrait aller. Faut baisser la vitesse. Alors, vu qu'on prend l'eau, normalement ça abaisse la vitesse tout seul. redresse. J'ai mis le frein hydraulique. Excellent. Parce qu'en plus, leak en anglais ça veut dire la fuite. Oh là là. Oh, excellent. Oh là là, il a le wiki de la langue. Est-ce que WikiLeak ça va rien? Excellent. Po. On pourrait dire qu'on est presque élusif. Bien joué, Pardy. YouTube, s'il vous plaît, mettez-nous toutes les définitions d'élusif que vous trouvez sur internet, s'il vous plaît. Non, mais quand t'es élusif, ça veut dire que tu évites le sujet. Ah, par exemple, tu éludes le sujet, en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Non, éluder, c'est plus genre en mode, tu sais, quand tu noies le sujet. Ah, c'est un peu comme évasif. Ouais. Mais à part que c'est moins vaseux, quoi, c'est plus direct, quoi. C'est genre esquivation de sujet sur le bas-côté. Hein. J'ai l'impression que tu sois allé chercher la définition pendant qu'on te regardait. Parce que t'avais pas la ref. Attends, je suis en train de tourner, là.
Ouais, plus vite, hein. Oui, monsieur. Mais je peux pas forcément tourner plus vite quand j'ai le vent de face. Il a l'air de toucher des choses. J'accepte par où il touche des choses, hein, des fois. Hein. Des fois, ouais. On sait pas trop comment, mais... Waouh, il a touché. Des fois, il voit le futur, quoi. Oh, les loot qu'il y a partout, là. Tu veux que je plonge ? Si vous me passez à côté de fantômes, je ramasse des trucs, hein, ça me dérange pas. Hein. Bah là, on va passer dessus. Là. Ouais, je vois. Ok. Maintenant. Bon, par contre, le problème c'est que vous avancez, les gars. Je peux pas dire, mais. Bah. Ouais. Écoute, je prends déjà ce que je peux prendre dedans sur moi. Si je meurs, voilà. Et puis j'essaye de vous poursuivre. Hein. Bon, j'ai bien dit j'essaye. Hein. Merde. Bah, si on prend la sirène, hein. Je suis pas convaincu, pas convaincant. Hein. Non mais l'intérêt c'est que je vous remonte une boîte quoi, parce que je peux vous... Oh la vache. Je peux vous remonter 50 boulets les gars, si jamais vous faites demi-tour. Hein. Je vais vous le dire. Ouais bah alors attends, on a des choses beaucoup plus graves. Comme des trous dans le matin. Il a fait demi-tour sur un caillou. Il a fait demi-tour sur quoi? Il a fait demi-tour sur un caillou. Ah oh, c'est une technique. Hein. C'est une stratégie. C'est bon. Donc je suppose que je verrai pas quoi. Tribord. Ah, c'est j'en viens, frérot. Excellent. I can see. Du loot. Honnêtement, hein, il faudrait se diriger vers les statues, rentrer dans la bulle des statues et tirer sur les statues. Hein. Tu penses? Moi, je dis ça. Bah les gars, on tire sur des bateaux depuis 3 quarts d'heure, il y en a pas un seul, il y en a toujours plus des bateaux. Je sais compter jusqu'à 12 et il y a plus. Hop là, ici. Direction les... Ok, c'est bon. J'ai vu le loot les gars, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. J'y suis allé. Il y avait que 5 planches dans celui-là. Je me suis fait douiller, il y avait que 5 planches dans celui-là. J'en ai trouvé un autre. J'y vais. C'est ma raison d'être. Est-ce que je peux tirer sur le bateau? Est-ce que ça lui fait des dégâts? Non, le bateau s'en fout. Sachez que les bateaux fantômes s'en foutent de mes balles. Est-ce que je peux monter sur un bateau fantôme? Oh non, il devient transparent. Oh non. Waouh, le double tir. Oh là là. Ça c'est beau, ça c'est de l'action. YouTube rate de l'action. Mais non, YouTube ils sont à fond dans l'action. Ils voient les bateaux transparents, le dessous de la mer, la sirène. Enfin, comme d'hab quoi. Rien du tout quoi. C'est pas l'habitude. Sinon ils ont qu'à aller voir le clear. YouTube, va t'abonner chez Loclear là. Sur YouTube, en tier 3, enfin sur Twitch, en tier 3, c'est une fortune pour regarder de la merde. Voilà. YouTube, voilà. Enfin, c'est pas très impressionnant. Ah, j'ai pas eu le dernier. Oh, des barils. J'y vais. Je plonge. J'ai entendu les mots que vous aviez à me dire. Il y a une caisse là qui plonge. Est-ce que je peux rattraper la caisse avant qu'elle ait complètement plongé? Mais tu les prends de large quand même. En plus, c'est pas une caisse transparente. Je crois que c'est une vraie caisse de loot. Un tueur. Ouais. Tu les prends large. Genre quand tu rentres dedans, tu restes vraiment à l'extérieur du cercle. Si t'arrives à rentrer dedans. Parce que si t'y arrives pas, bon bah t'y arrives pas. Hein. Si t'arrives pas à rentrer dedans, bon, enfin on attendra la fin de la VOD pour t'expliquer, mais. Pardon. Oui. J'ai du loot les gars, hein. J'ai du loot hein. Je ramène des munitions hein, quand je... Hein. Attends, est-ce que ça marche sur le Batal? Oh. Bon déjà ça tombe à côté donc... réponse... Utilité sur 20, 0,2. Hein. Il y a quand même un effet de style hein, YouTube, donc j'ai mis 0,2 quand même. Attention, on va se faire... J'ai mis bon sur la copie quand même. Ce tir vous a pratiquement sabordé. Or, un mot désuet, qu'est-ce que ça veut dire? Tu demanderas au Capitaine Haddock. J'ai l'impression qu'il y a des trous dans mon bateau. Ouais, bah, va réparer. C'est whip. Mon dieu, mais c'est terrible en plus. Ils osent faire couler dans mon bateau de l'eau. Yes! C'est même pas de la bière. C'est dégueulasse. Moi ça de mon bateau.
Sortez de la voilure, il nous faut de la vitesse. Oh, j'ai besoin de manœuvrabilité, j'ai pas forcément besoin de vitesse. Ah mais là il faut juste. C'est-à-dire que t'as besoin d'un peu moins de voile de ce côté-là. Et que t'as besoin d'une contre-voile à l'avant. Contre-voile à l'avant. Non, de l'autre côté, il faut une contre-voile. Oh mon dieu, vite du louche, mort. Au revoir. Oh YouTube, ce que je fais pas pour mon équipage. Oh non. Oh non, le baril qui coûte, qui coule, mais si vite. Mais si vite, non. Mais pourquoi le monde est-il aussi... Il y a encore un baril, il y a encore un baril. Je peux l'avoir, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Je l'ai eu. Sale bâtard. Je l'avais eu. Il m'a juste ignoré. Je fais non, je m'en fous, je me casse. Et je rentre à ma maison. One by one, the dead shall join my cause. Non, en vrai, on peut s'arrêter et on tabasse, hein. Non, non, mais là, les gars, faut peut-être trouver une solution que juste tabasser. Non, mais il faut taper dans les. Dans les grosses sirènes, là. Ah, voilà, faut taper dans la grosse. Arthur, si t'as pas compris, on t'expliquera, mais quand la vidéo sera coupée. Attention, le caillou devant, hein. Ouais, je tourne, je tourne, je tourne. Mais là, on est trop loin pour tirer. Bah, surtout qu'elles ont l'air d'avoir un shield, hein, tes machins. Oh, c'est large. C'est large, là, il y a au moins 42 mm. De l'autre côté, de l'autre côté. Le tour. Attends, je t'aide. Ah, yes, nice. Par contre, faut que tu rebraques de l'autre côté. Ouais. Non, c'est bon, vas-y, continue de tourner un peu. Mais là, ici, il faudrait de la voile. Mais il tourne. Ah oui, ok. Mais je vois ce que vous voulez dire. J'ai la ref. J'ai la ref. Ah, ok. Alors ça perce le shield, bonne nouvelle. Ah, maintenant faut tirer, voilà, parce qu'avec faut le tirer décalage, droit. Baissez la vitesse, baissez la vitesse, baissez la vitesse. Ça touche un jour. Ah, ça a touché. Oh non, c'est une vraie sirène. Oh non. Oh non. Bah ouais. Oh non, mais les gars, faut s'approcher, faut tirer tout ce qu'on a. Hein. J'annonce, hein. Hey, va de l'autre côté, Arthur. De l'autre côté. Bah oui, braque à droite parce que là il y a. Oh, détonal, j'arrive! C'est bon, parfait comme ça. Ah mince, attends, bon du coup. Ah, allez! Et il m'a pas pris les. Mais... J'y vais à la nage, je vais l'attaquer à la grenade incendiaire, YouTube. C'est pour toi que je le fais, YouTube. Essayez de tirer un peu plus haut quand même, parce que là j'ai l'impression que à coup de vague ils vous tirent dans la mer. Oh putain, ils l'ont eu avant moi, YouTube. Pourtant, nice. Hein. J'y allais, hein. Que YouTube en soit témoin, hein. Soyez témoin, YouTube. C'est important. Finally recognize the hopelessness of your predicament. Much as I hate to entreat this old Squidbeard up there, he does have a point. We are becoming significantly outnumbered. Do not wish that while a light still shines in the darkness. Je vois deux canons déchargés. Trois canons déchargés. Qu'est-ce que tu fais, Pardy? Comment? Il y a trois canons déchargés. Pourquoi? Est-ce que je peux pas être partout et que j'ai ma maman qui m'a envoyé un message? Ça ressort. Tu dis à ta maman que t'as trois canons déchargés. Et tu lui fais un bisou de la part de YouTube. Oh la vache! Oula! Ralenti, tu vas trop vite là. Bah, faut lui remonter la voilure. Hein. Ouais, je suis dessus. Hein. Ah non, je suis pas dessus visiblement. Sur la voilure. Ouais, j'y étais pas. C'est pas grave, je t'expliquerai en off. Le retour du plaque-peur. Rapproche-toi un peu, s'il te plaît. Il y a des vagins géants qui apparaissent dans le ciel, vite. Faites des choses. On a l'arrêt ou pas là?
Non. Là oui, on a l'arrêt. Hein. Non, pas encore, moi j'avance. Enfin, moi je vois le bateau avancer en tout cas. Ah, va, tourne à tribord. J'ai plus d'angle. Si je touche. Ça touche ça. Vas-y, vas-y. Ah bah c'est bon. Ah, les gars, on nous a touché. Ça a touché, hein. Ah, ah, je me... Choc électrique sur le code. Choc électrique. Mais j'ai pas de balle dans mon Fuji. Ah, mais faut que tu... En gros, tu te rapproches et quand tu vois qu'on est vraiment trop court. Ce canon était déchargé. Bah, c'est celui de Jack Sparrow. Hein. Ah, mais là, je peux plus tirer. Tu m'as niqué mais mon ouais, angle c'est de ce tir. Que je dis à Arthur. Ah, mais putain, mais qui a mis ce type comme pilote? Bah, je lui ai dit que je veux prendre. Il me dit, oh, vas-y, c'est bon, j'y vais. Tout ce qu'on bon, voulait, bah, c'est ce qu'il avait dans sa culotte, c'est tout. Oh. Ah, le... Les boulets, c'est fou, les gars. Là, j'ai pas meilleure blague. Eh, hey, mais toi... Je fais avec les moyens du bord, littéralement. D'ailleurs, je fais tellement avec les... Il y a tellement pas de moyens à bord que j'ai dû me barrer pour encore aller chercher des moyens. Je me suis douillé, il y avait des pigeons. YouTube, t'es témoin, il y avait des pigeons. Yuté, me t'es fait douiller. Ah, on vous envoie les crabes, hein. Attaque de crabes, ah, incoming. De temps en temps, tu peux lâcher ta barre et venir aider aussi. Non, ça. Faut pas faire ça. Il est communiste, hein. Prendre des initiatives, c'est pas son truc, il attend que l'État le rémunère. Chacun son travail. Bah, normalement, c'est moi la barre. Mais... Et les cadavres seront bien gardés. Bah tiens, je te laisse là-bas, écoute. Hop. Non bah trop tard, tu veux là, prends garde là. Pourquoi on tourne là? Arrêtez de tourner, vous me fatiguez là, vous me foutez le vomi là. Bah, c'est le vomi pas... C'est pas moi qui conduis hein. J'ai rechargé un canon qui était déchargé. Ça me dégoûte. voilà, promotion obtenue, montée de la mer. Ah, est-ce qu'on a vraiment fait monter le niveau de la mer? Ça m'intéresse énormément comme raison. Mais genre, énormément. Je me suis encore fait tout YouTube. Peut-être pas YouTube. Yes, il y a encore un tonneau. You are bound to no order from these waters. The flying Dutchman not here. A man who was not afraid of him own heart. Out here, that man can live again. Come back. Hey. No. The point of no return is long since past that. We are at war. Wars do not end with weapons. They end with words. I call for parley, David Jones. Ha! Ha! Parley? À droite! Ancre! À droite! You cannot invoke the right of parley because, my dear, you are not a pirate. A monster. The man I love. Putain, c'est de la merde. And no one shall be left to mourn his past. J'ai un crâne. Putain, c'est tout ce qu'il y avait en fait, je me suis fait douille. Putain. Désolé, là, tu nous as fait sauter pour ça là. Mais j'ai vu trois trucs briller, j'y suis allé. Il y avait une bouteille, un crâne et un bâton nul. Ah, et c'est le. Encore un mot extrêmement technique. Never bow to tyrants, no matter how cowardly they may be.
Et où exactement? Tu tournes autour de l'île, hein. À droite. On va encore se battre contre des bateaux là. Il y a un canon déchargé là, je vais péter un kill. Très mort. Canon déchargé, hein. Je vais vraiment péter un câble. Allez, tribord. Trim pour aller d'abord. Non, mais parce qu'à droite, il y avait aussi des ennemis. Hein. Ah oui, puisque t'es à bord. Si tu veux que j'ai celui qui est juste en face là. Mais il y en avait un juste sur notre droite. Caillou droit devant, hein, mais attention, ça va taper. Qu'est-ce qu'il gère la direction là? C'est que plus on traverse de fantômes, plus on prend de dégâts sur le bateau en fait, sans leur infliger quoi que ce soit. T'es au courant? Ah, mais c'est pas voulu, hein. J'ai l'impression que si, hein. Malheureusement. Hop, on redresse. Normalement, t'entends le petit clac quand t'es droit. Ouais, c'est bon. Et après, tu joues avec. Tu fais un tour et tu reviens. Tu fais pas plus d'un tour. Ouais, sinon, c'est le bateau de Davy, ça. C'est ça. C'est le Davy Boat. C'est le Hollandais Kingland. Mais non, c'est le Black Pearl. Mais non, c'est pas le Black Pearl. Bah non, le Black Pearl il a les voiles noires. Mais Jack c'est un fantôme, donc le Black Pearl c'est un fantôme. Oui, mais c'est quand même pas le Black Pearl, tu vois pas qu'il est un peu énorme? Ah merde. On est pas en train de tirer sur un allié là? Si. On est en train de tirer sur un allié. Non, parce qu'il disait maintenant vous vous battez entre vous. Ouais, c'est... Notre ami est un peu débile. Pardi? Deviens parisien, arrête d'être picard s'il te plaît. Alouette, gentille alouette. Extrêmement intéressant ce qui se passe. Vous avez le vent. Si capitaine. Du moins autant que possible. Moi j'ai entendu un boulet toucher une planche là. C'est quoi ces bêtises? Arthur, est-ce que je peux reprendre la barre s'il te plaît? Bien sûr. Tribord, Arthur, pourquoi t'es pas prêt à tirer? T'as pas de boulet sur toi, Arthur! Mais non, mais à tribord, il va passer à bâbord! Arthur, pourquoi t'es pas à bâbord? Un allié! Mais non, c'est pas un allié, c'est le Dévijon! Ah bah non, mais regarde, Eddie, ah bah c'est un allié! Bah, Dévijon est un allié! J'ai rien compris, moi, au scénario, non?
Mais non, parce qu'il y a Rose, il y a le Black Pearl. Je sais pas moi. Tous des alliés, genre ça c'est un allié contre l'heure. Un allié, ça. Oui, oui. Alors ils sont où les méchants? Voilà. Ah, c'est terminé quoi. Facile. Il faut pénétrer dans la flèche. Donc là il faut débarquer. Il faut pénétrer dans la ville, la flèche. Oui, oui, monsieur. Bah ouais, en même temps ça ressemble à ça, hein. Regarde. Regarde-moi le gros truc. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hein? La symbolique, hein. Elle est totale, hein. Ah bah c'est Calypso, hein. L'autre il sort avec son gros, sa grosse poupe là. Amuse, hein, mon salaud, hein. Bouffe-toi un coup de canon, hein. Connard. Je vois pas du tout ce qu'il y a à tribord, hein. Pas de problème. Pas le mien. Moi je regarde, hein. Tribord, y'a rien. Par contre, sur notre bâbord. Et YouTube, si je t'offrais une vue du mât. Voilà, ça me fait plaisir. De... Et non pas de Mireille, hein. Y'a un navire en bâbord, hein. Bien joué, Arthur. Je suis fier de toi. Ah ouais, mais y'a du loot, faut que je saute, YouTube. YouTube, faut que je saute. Adieu, YouTube. C'était une belle vidéo, sache-le. Avant que je saute. Non, c'était déjà de la merde. Hein. Oh, mais où? Les flûtes? Hein? Ça perd les popettes? Tu veux pas celui qui est à gauche-gauche là? Mais non! YouTube, je me fais trahir, comment ça? J'ai cherché des boulets. Vas-y, vas-y. Sirène? Ah, merci. Faut filer vers la flèche, hein. Filer vers la flèche, matelot. Qu'attendez-vous? Mais elle est où la flèche? J'en sais rien, moi, il vous dit qu'il y a une flèche. Moi, je suis occupé à récupérer du trésor dans l'eau, hein. Je sais pas ce qui se passe, hein. Mais n'en est pas dessus, je le sais derrière. C'est la flèche. C'est la montagne. C'est suivez la montagne. Ah, l'île. Bah, suivez la montagne qui est une île. Mais qui est aussi une flèche. Ah, attends, il y a... Ça brille, là. Ouais, et j'ai l'impression que ce coup-ci c'est des vrais loot. Genre bleu, ça a l'air d'être un caillou qui brille. Alors, j'ai en effet une babiole déjà. Ah, et le caillou bleu qui plonge, c'est bon, j'ai le caillou de sirène aussi. Bien. J'ai deux loot, mais par contre je suis tout seul au milieu de l'océan avec deux loot, hein. Voilà. Je bouge bon pas. Courage. Bah j'attends que ça se passe. Je sais même pas où vous êtes du coup. Attention, il y a un... Ah, si, y a je un vous vois de... loin. Oh non les gars, vous êtes si loin. Je suis même pas sûr que ce soit vous là. Vous pourriez pas tirer un feu d'artifice histoire que je vous localise là? Vas-y, on est... Attends, je m'en occupe. Là, je crois que vous êtes beaucoup trop loin. Attends, je fais demi-tour. Je vais tirer un feu d'artifice. Non mais je crois savoir où vous êtes, hein. Ouais ouais, je vois. Mais écoutez, sachez que je me déplace dans votre direction avec le caillou bleu. Je fais tout ce que je peux, sachez-le. Sachez que si je meurs, j'aurais donné tout ce que je pouvais donner. Ah bah ring. Voilà, c'est beaucoup plus facile de manœuvrer comme ça. Mais vous êtes barré derrière l'île là, carrément, c'est ça, non? Bah je peux pas faire autrement. Bon, j'arriverai déjà avec mon caillou, hein. Il faut détruire la flèche. Il
La flèche. Bah, vous devez voir une flèche tirée dessus. Débrouillez-vous. Détruisez un truc. Il est sur, sur notre bâbord. Ne vous inquiétez pas, je prends le caillou bleu et je l'emmène directement à Sanctuary Hills. Tout va bien. C'est plein sud-ouest pendant 5 minutes de bateau, vent dans le dos. Tout devant. Bon, elle est où cette foutue flèche? J'essaie de détruire un autre navire fantôme, mais il m'en manque un pour débloquer un palier. Bah, moi aussi, il m'en manque un. Ouais, moi aussi. Did you think I let my spine unprotected? Alors là, vous venez de tirer sur le truc. Il vient de vous dire qu'il n'avait pas laissé sans protection. Voilà. Je l'informe. J'informe de ce qu'il a dit, monsieur. Donc moi, j'ai pénétré dans le bâtiment. Bon, allons-y YouTube, un peu de parcours. Fin du parcours YouTube. On va refaire le tour comme tout à l'heure YouTube. On est chaud. Mais... on peut faire des choses à partir de là. Mais... Oh non, je suis... Oh non, non, c'est dégueulasse. Non, monsieur l'agent. Est-ce que tu peux tourner plus sur la flèche? S'il vous plaît. Est-ce qu'en fait vous pouvez arrêter ce bateau que je me tire dessus en fait? C'est ça l'idée. Genre, foutez une ancre. C'est bon. J'ajuste un canon. Ok, on a trop tourné. Qui est le connard qui tient cette barre? C'est insupportable. Remonter les voiles. Pardon? Bah monte les voiles pendant que je monte l'ancre. Allez. Bah ouais. J'ai un peu rebondi. Mais j'ai trouvé des choses. Maintenant, il y a des gens sur cette île. Il y a des spectres et des damnés. Alors, par contre, j'ai un peu mal à la gueule. J'ai trouvé un livre des fragments du passé. Il est difficile de savoir ce qui est écrit dans, ce qui était, a été écrit dans ce journal. Ce que notre cœur désire, ce qui nous terrifie le plus, nos plus grands triomphes et nos pires erreurs. Ici, tout cela revient vous hanter. On raconte qu'il existe une taverne où les morts estimés peuvent boire librement. Aller et venir à leur gré une rare lumière dans les ténèbres infinies. En ce qui nous concerne, nous nous attardons dans ce qui reste de nos vies, condamnés à tout répéter jusqu'à la rédemption, jusqu'à que le passeur nous appelle enfin. Et si nous restons consumés par nos propres légendes, nous commencerons à nous affaiblir, nous oublierons toute possibilité d'évasion, de changement, tout espoir. Nous devenons de simples personnages, des acteurs dans les récits que nous avons créés, et quand l'histoire est tout ce qu'il reste de nous, alors nous sommes réellement perdus. Et tout ce qu'il reste de nous, voilà, j'appelle la batteuse YouTube, déso. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Casse-toi, c'est mon jeu, c'est mon scénario, arrête. Oh, t'as pris la bougie? J'ai trouvé un... Non, t'as menti. Un saphir? Bah oui, c'est moi qui l'ai posé sur la plage. Ah... Ah ouais, ouais, j'ai voyagé avec, hein, j'ai pas décollé comme d'hab. Oh, fort. Par contre, je pense que je suis pas en bonne direction. Votre avis sur la question ne m'intéresse pas du tout. Sachez-le. Elle est où la flèche? Est-ce que ça m'a débloqué le passage? Ah, ça m'a débloqué les passages. Ok, c'est bon YouTube, j'ai la suite. Oh, le bouquin suivant. Pas de doute, je suis sacrément dans le pétrin. J'ai dû me cogner la tête très fort en tombant par-dessus bord. Parce que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont j'ai échoué ici.
J'imagine que ça ne sert à rien de se lamenter, j'ai rassemblé tout le bois que j'ai pu trouver et allumé un feu, ça va sûrement attirer l'attention. Cet endroit est un peu lugubre, ça me rappelle presque le récif où j'ai abandonné Rotten World pour pouvoir garder le butin. J'aurais juré avoir déjà écrit tout ça hier. Ou était-ce avant-hier? Ou le jour encore avant? Je n'arrive pas à me souvenir. Navire en vue, enfin des secours. Oh, il y a quelqu'un de plutôt effrayant à la barre. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il y a sous ce masque. Non, il n'y a pas de masque, mec. C'est pas de masque. C'est parti du... putain du gant. Et merde. Enfin, je voulais dire flûte. Enfin, vous m'avez compris, YouTube. Carabistouille. Ah, sa mère l'hypopète. Sa mère en salopette. Ça perd l'hypopète. Ouais, sa mère qui frime des pètes. Oh, c'est bon, j'y suis. C'est bon, YouTube, j'y suis. J'ai même pas eu peur. Ok, ok. Tu te rends compte que c'est tout ce qu'on a fait en loose day YouTube la dernière fois. C'est incroyable, c'était la vidéo précédente. Non, je déconne, c'est toujours la même depuis 5 heures. Excellent. C'est une faille spatio-temporelle. Wow. Alors c'est quoi le but du jeu là? Escalader, faire du parcours. On fait les Yamakasi. Ah, il y a 4 cassés. Ici. Parti, on est bloqué par 10, fait quelque chose. Oh, il y a un livre ici. Ok. Le pire dans ma vie de prisonnier, à part l'odeur, c'était de me dire que j'avais seulement rêvé de m'évader. Puis le type barbu est arrivé. Enfin, j'ai dit arrivé. Il a tiré un coup de canon dans le mur de ma cellule, pour sûr. Vous parlez d'une entrée. Enfin, d'une sortie en l'occurrence. Alors que nous éloignions, il m'a dit que la prison, c'était le véritable rêve. Quoi? D'accord. En fait, je m'étais échappé à ce moment-là. C'était une de ces métaphores qu'il disait. Alors, métaphore. Bref. La prison ne me dérange pas, surtout après avoir réussi une première évasion. Alors, je me suis fait un plaisir de me joindre à lui. Si les frères de l'ombre peuvent me protéger, je me ferai un plaisir de lever l'épée en leur nom. Nombreux sont ceux à être de cet avis. Vous êtes barré, c'est ça hein? Non, faut sauter en fait. Comment ça faut sauter? Et ensuite tu descends et non, remontes. Non, tu sautes pas, tu suis la carlingue quoi. Ah, les gars, je suis tombé. Est-ce que quelqu'un peut me... Non. Je suis juste à côté de toi, pardon. Trêve. T'es quoi? Charogne. Vous avez pas qu'à continuer le scénar sans moi. Le mec il déclenche les scènes cinématiques sans toi, YouTube. Sans toi! Alors que qu'est-ce mais qu'on non, fait sans toi fait. Bon, des tas de choses en fait, mais... Excellent. Je déclenche rien. Ah, j'ai le cadavre de quelqu'un qui vient de dépop. Intéressant. Ah, merci. Je t'attends. Et moi on m'attend? Non, mais tout le monde s'en fout de toi. Ah non, toi la dernière fois t'as lancé le scénar sans nous toi. Ouais c'est ça, tu vas chier. Ah mais j'ai totalement fait exprès. Ok, je vais crever. T'es un sous-produit de consommation, tu te tais. Ah oui. Un peu comme ton rhum. L'est-il? Un peu comme entendu ton rhum. Comme mon rhum. Pourtant mon petit Kraken il est pas vilain hein. Il est pas piqué des tétons. What? Va mourir, Spectre! Ah merde! Parzi, fais le rat! Fais le rat d'apparat! Tu fais le mieux. Il faut taper les fantômes. Pourquoi il y a quelqu'un qui me tabasse? J'ai raté. Ah, je n'ai plus rien. Il y a la foudre, j'ai l'impression, qui nous aide. Il y a le J'ai l'impression que ça fait plutôt pop des gens, mais vous le dites.
Laissez-moi manger tranquille là. Attends, il y a un monsieur. Je crois qu'on a un petit bug dans notre jeu, mais je dirais rien. Disons que tabasser le Commodore et après il redeviendra humain. C'est bon, il est mort. On a une clé. Il y a juste le collier, j'ai rien pris, je voulais laisser Knarfang le prendre. Mais Arthur l'a ramassé. Non, crevard. Non, j'y ai pas tout fait. Crevard. Il faut courir. Pourquoi? Non, y a tout le loot. Parce que si, sinon, elle va s'effondrer. Il y a tout le loot, mais il y a aucun loot là, frérot. Arrête de fumer. Rien à voir. À part, prendre penser à récupérer le caillou bleu. Hein. C'est bon, je l'ai ramené sur le bateau. Ok, nice. Ouah, trop bien, on peut sauter. Bah ouais. On dirait presque que ça a été écrit. Oh, le bateau, j'ai l'impression qu'il fait des 3-6 depuis tout à l'heure en vrai. Bah bah. Pourtant, il y a l'ancre. Hein. Ah oui, et non, puis il est stable, mais c'est parce que le niveau de la mer a dû redescendre. C'est juste pour ça. Bah ça, et donc ça y est, on a fini là, c'est ça? J'en sais rien moi, c'est vous qui me le dites, hein. Moi je connais pas l'histoire, moi. Je suis au courant. Bah, on sait où il se situe le cœur, du coup. Ouais, première vue, il y a encore des choses, hein. J'ai encore le carnet de notes, hein. Notez que j'ai encore le carnet de notes. Est-ce que j'ai pas prendre, j'ai pas d'autres objets. Ah, on va se je crois que c'est l'heure de la bagarre, hein. Je vais montrer à YouTube la cale. Regarde, YouTube, c'est la cale. C'est beau. Les canons sont déchargés. Hollandais volant droit devant. Nous avons percuté un rocher et un Hollandais volant. Je vais donc réparer, hein. On y comptait ça? D'accord. J'ai entendu vos paroles. Vous pouvez arrêter de créer des aérations dans mon navire, ce n'est pas un gris. Il y en est mental. Encore moins râpé, s'il vous plaît. Je vais tourner. Bien sûr. Ah ouais, c'est toi la manœuvre. Bah non, c'est juste que je pensais que tu avais repris, c'est pour ça que j'étais. Oh là là, tous les canons sont déchargés, c'est un scandale. Mais non, ça c'est un allié. C'est un allié, ça veut dire. On a plus de boulets de canon, hein, les gars. Hein. Sachez-le. Hein. Sachez que si je plonge pas à aller chercher des boulets de canon, ça va mal se passer. Hein. Donc je vais plonger. Merde. Fais enfin flûte. Allez Arthur! Ah bah je peux pas forcément faire grand chose. Je crois qu'Arthur, le monsieur vient de dire que c'était débile. Arthur, YouTube attend la fin de la quête. Pardon? Allô? Oui, bonsoir. YouTube attend que tu finisses le jeu. C'est assuré? Je sais, c'est assuré. Non mais là on est trop court pour faire une bordée. Hop. Faut juste que tu penses à mon angle de tir, quoi. Là, t'es trop serré, par exemple, tu vois. Oui, mais là, c'est trop court pour faire des tirs. On a plus beaucoup de boulets. Bah c'est ouais, si, je ramène des munitions, tirez, faites des trucs. T'occupes. Parce que là, en gros, on se tourne autour, en fait. Hein. Ça peut durer. Là, ça va durer jusqu'à qu'on ait plus de planches, quoi. Vas-y. Là, normalement, on est bon, là, pour l'aborder. Non. Non, mais tirez, quoi.
S'en fout, pétez-le quoi. Ouah, la salle. Ouah mon dieu. Là je vois plus du tout où est-ce qu'il est le David Jones. Enfin le Groenlandais volant. Il fait le tour de l'île. Excusez-moi. Comment tu veux le louper? Allez, je peux pas forcément le voir avec la voile. J'ai ramené quelques boulets de canon. Il y a une caisse là. On s'en fout de la caisse. Oh, je peux continue que le dans cet angle là. Continue dans cet angle là, parfait. Mais qu'est-ce que... Des boulets de canon, il y en a 56 en réserve, vous pouvez y aller vider des munitions comme des sourds. J'y retourne. Pff, j'ai obligé de me sacrifier, YouTube. Désolé pour la vidéo YouTube, mais dis-toi que mes compagnons sont d'exécrables amis. Mais YouTube, c'est comme ça, les gens n'ont pas le sens de la cinématique et de la négation. Alors que moi oui, bien sûr, évidemment, et de la modestie en plus. Tout ce que je ferais sera impossible. Bon, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là? Qui fait quoi? Je suis de bateau. Et après, ça te dérange tellement, reprends la barre. Il y a 56 boulets. Quand est-ce que vous voulez que vous tirez hein? Ah non, mais je demandais ce que tu faisais, ce que je le voyais s'éloigner en fait le bateau là et. Mais c'est juste qu'on est pas dans le vent. Bad. En fait, tu rates rien YouTube actuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Je semblerais que je sois le mec qui fasse les trucs les plus intéressants du jeu actuellement. Ça va les gars? C'est lui ça qui nous fonce dessus là. Ça va bien les gars? Ça je sais pas, je vois pas. Non, c'est pas lui. C'était bon, hein. Jouer à un jeu vidéo avec Arthur, c'est toujours une histoire. Toujours une aventure. Bon, il se passe pas grand chose, c'est aventure. C'est toujours une aventure, sachez. La question. Il est en face je crois, c'est ça? Ouais c'est ça, mais bah on est trop loin. Bon, à moins que j'aille par là comme un vieux loser. Ouais, si tu coupes encore, il y a peut-être moyen hein. Bon, on va voir déjà si j'arrive à passer là. Ouais c'est bon, ça passe. Mais il faut que tu redresses par contre hein. Je redresse. T'as vraiment un petit trou hein. Ah oui, il y a vraiment un petit trou, je te le garantis. Ah bah ça a touché. Ah ça a touché le fond, désolé. Non ça a touché à gauche. Ah non, je garantis, j'ai jamais touché le fond. Ah, puis ça a touché devant aussi. Mais bien essayé. C'était très ballsy. Ah. Vas-y, on va passer sur sa droite. Ouais, t'inquiète, je l'allume. Le niveau de l'eau monte dangereusement dans la cale. Attends, j'arrive. Je suis sous l'eau dans la cale, je répète. Nous sommes sous l'eau dans la cale. Ah, mais... Je suis allé chercher 5 planches vides teuf, il y avait 6 trous dans ce navire. Vous avez des explications à expliquer pourquoi hein? Des explications à expliquer. J'en ai perdu mon latin francophone. Je comprends moi aussi, j'aurais... Si seulement vous avez parce qu'on a caressé un rocher là. C'est pas caressé, tu l'as transpercé le rocher, il y a un trou de la taille de notre navire au milieu.
Non, non, mais tu sais, t'as l'impression que t'es dans un... Tu sais, c'est dans un petit comique de... Je vais passer sur sa droite. Je vais passer sur sa droite encore. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, fais pas ça. Alors, t'auras un caillou à gauche. Oh, attends. Parce que je vois pas trop avec les vagues. Hein. Bah, va à droite. Vas-y. Vous en sortez pas, hein. C'est vraiment. Je te montre vraiment le cœur du gameplay de notre vidéo. Hein. 76 boulets, hein, les gars. Quand vous voulez, vous pouvez commencer à tirer dessus. C'est vraiment. N'hésitez plus, hein. C'est on vraiment. Je pense que vous pouvez commencer à y aller. Hein. Quoi ? Ah, on vient de se prendre une onde de choc qui a fait des trous dans le bateau. Ah, un trou dans le bateau. Droite. Ouais. Tu longes l'île. Il y a peut-être des choses à faire aussi, hein. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop le temps en fait, je passe mon temps à réparer et tout. Un peu à gauche. Yeah. Oh, bien joué. Baba bing, baba bing, baba bing, bing, bing. Vas-y, on va voir. Je me suis fait des pop en approche. Ah, faut aller au truc là-bas là. Le truc là-bas. Bah attends. Ah, c'est ça, faut aller au truc des morts là-bas là. Quand tu dis là-bas, c'est à droite ? En face. En face, ok. Bien sûr, la barre est droite. Bien sûr. Il y a des spectres qui viennent de disparaître. Nous sommes sous le vent. Pour moi, c'est ce qui est en face là-bas. J'ai vu quelqu'un partir parce qu'il y avait des tonneaux. Oui, le mec, il cherche le navire parce qu'il sait pas combien de boulets de canon il va rester dans 10 minutes. Donc. Désolé que je fasse mon travail. Je pense à notre équipage avant tout. Et vas-y, vas-y. Nice. Je sais pas ce que c'était mais nice. Vous avez trouvé Black Pearl? Non. Pourquoi ça le fait rien? Attends mais y a un bateau. Putain, le mec je lui demande si je pose une question parce que moi je suis à la mer, il se moque de moi, j'hallucine, vraiment. Mais attends les gars, y a un bateau. Y a un bateau, y a une barque, un bateau c'est vaste hein. Enfin, non mais un bateau, un galion. Y a un galion. Donc bah, c'est un navire. On va le voir. On va le voir. Vas-y, mets la barre à gauche tout, hein. Yes. Seulement que t'arrives là, toi. Wow. Alors, wow. Il y a effectivement une grosse barque à trois mâts, avec un gros halo, une grosse colonne de fumée bleue sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit aller là-bas, hein? Vous êtes sûr? Je suis pas sûr, frère, mais... Là, je vois ça, bon, hein. Vas-y, pendant que vous fassiez des choses... Que vous fassiez des choses, ouais, moi, tout à fait, ouais. Oh putain, t'aurais pu devenir parisien jusqu'au bout, quand même. Hein, parce que là, c'est bah, honteux. Je vous merde. Ouais, ouais, tu nous bousses de vache, tout ça, la Picardie, quoi. Exactement, je vous fumiez... Oh, carrément. C'est ah pas ouais, sympa. Ouais. C'est quand même pas très réglo, c'est... Quand même, t'es quand même quelqu'un d'extrêmement méchant, quoi. Enfin, disons qu'on sent que t'es pas picard quoi. Enfin que t'es pas, excuse-moi, t'es pas ch'ti quoi. On sent que t'es un picard quoi. Méchant quoi, mais picard toujours. Et qu'on sent bien. Viens, on l'entend plus là. Hein.
Comme de pourri hasard. J'entre une voile avant. Tout seul, puisqu'il n'y a personne pour me filer un coup de main. Bande de cons. Merci. C'est entré. Donc je suis le seul à positionner la voile avant de me tirer. D'accord. Mais parce que nous, on veut déclencher l'histoire. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, moi c'est juste pour comme d'habitude, en fait, c'est tout. Ouais, donc déclencher la suite de l'histoire. Ouais. Donc déclencher la suite de l'histoire et les cinématiques. Connard. Oh, j'adore. Oh, well then. I'll take my compliment back. Prepare to make sail, you lazy wretches. If you don't mind me asking, what happened to Jones? And what about the treasure we was after? And why is the captain still dead? Young man, I believe your questions are about to be quite conclusively answered. Fear not the wrath of Davy Jones. He's my prisoner now. Bound to the very vessel he sought to destroy. A fitting fate. With the Dark Brethren scattered and their ambitions at an end, I believe it is now safe to return this treasure. Hands of one who died defending it. I have weighed the worth of a million souls, and yet I misjudged you, Jack Sparrow, and acted rashly. Such was my desire to prevent calamity. You captains of the damned have shown great courage and deserve a second chance. That's better. And all the best bits seem to be in the right places. Well, I've just got my ship back, and we've just rescued everyone from certain doom. I'd say that entitles us to public adoration, free refreshments, and some grand adventures out and about on this freshly saved Sea of Thieves. Where do we start? Remember, Jack, you made her a promise. Ah. I'm afraid Theodore was correct. I have some unfinished business that must, unfortunately, take precedent over any revelry in the immediate futurity. Be that as it may, Jack, we're still a bit short-handed. Excellent point. Our next destination lies beyond the horizon. Any pirates, formerly deceased or otherwise, who wish to throw themselves headlong into grand fun battling unknown perils are welcome to join the crew of the Black Pearl. That's a tempting offer, Captain, but my place is here. Protecting the Sea of Thieves from the likes of Davy Jones and the Dark Brethren. I will take my leave of you. My crew and I likewise have promises that remain unfulfilled. Now that we're back on the seas, it's time to make amends. Safe journey, Captain. Whatever your destination may be. Well, I'm not missing out on fighting unknown dangers in distant lands. Sign me up. Me too. As if I'd let you sail off without me. I suppose you and I should part ways for now. After all, someone needs to stay and keep this place lively for me if I return, eh? Et tout, il n'y a pas de trésor, il n'y a rien. En tout cas, ça, c'est du navire.
Bah, YouTube, on s'est fait douiller. Voilà, YouTube. C'est une vie de douillage. Bah, du coup. Time to get back to your own ship now. Savvy? Non, en gros, là, il nous demande de repartir sur notre navire. Je me doute, mais en attendant, je vais lire le livre que j'ai pas eu le temps de lire à YouTube. Il y a plein de livres. Un désir par le capitaine Jack Sparrow. C'est à moi qu'il revient d'être le plus libre des pirates sur les mers avec le Black Pearl sous mon commandement et les étoiles pour nous guider. L'horizon réserve d'inépuisables aventures. Localiser les dites aventures, c'est la partie délicate. Depuis cette sale affaire avec le trident de Poséidon, les péripéties brillent par leur absence. Je préfère espérer que le dessentissant ces tragiques malédictions sur l'océan, comme celle qui a accablé le pauvre maître Turner, n'a pas perdu sa capacité à m'émerveiller. Du danger, de l'intrigue, de la boisson à flot et du butin rutilant à convoiter, ce n'est pas trop demandé si je ne vois qu'un seul lieu qui me fournirait tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres ou ça? Dans la cave. Mr. Gibbs. Ah, je vais checker vite fait. Il y en a un là derrière. Derrière là. Ah, excellent. Un problème par le capitaine Jack Sparrow. Là, c'est la vérité du trésor. Pendant un temps, j'ai cru qu'on s'en était tiré. Puis le Hollandais volant a surgi des eaux, tout canon dehors. Nous n'avons aucun réel espoir de rivaliser avec elle, pas avec un équipage si réduit. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'une alternative possible. Si nous pouvons mener le Black Pearl aux confins de la carte et passer entre les mondes, alors nous pourrions aussi bien semer Jones une bonne fois pour toutes. Ciao Tortuga, adios Isla de Muerta, au niveau de Saint-Martin. Il est temps pour le capitaine Jack Sparrow de naviguer par-delà l'horizon. Il y a deux autres livres sur là où il y a la barre, c'est à l'extérieur. En... Voilà, voilà. Là où il y a quoi? Là où il y a la barre, là où je suis. Au macaron. Au macaron. Il y en a deux là, un devant et un. On peut prendre la barre du bateau? Ah oui, mais on peut rien faire. Si, okay. Tourner, une rumeur par le capitaine Jack Sparrow. Retourner à Tortuga fut comme retourner dans mon propre passé. L'île a beau avoir été incendiée au moins 3 fois, son arôme doux et généreux est resté exactement le même. J'ai envoyé mon équipage sur la terre ferme avec un seul ordre, écouté aux portes, fouiner un peu partout et dresser l'oreille, ou les deux, si elles sont intactes. Nous cherchions des légendes potentielles lucratives, du style presque impossible à trouver, et j'essayais aussi d'éviter de croiser quiconque avait envie de me tirer dessus. J'ai visité un confortable petit Audi où on parlait d'un trésor, pas n'importe quel trésor, cependant une babiole brillante capable de transporter des navires entiers dans d'autres royaumes. Quand j'ai appris à qui le trésor appartenait actuellement, j'ai trouvé cela aussi intriguant que perturbant. Et le dernier, tu m'as dit qu'il était... Ah oui, là, je l'ai. Non, le il y plan en a encore un là où je suis. Par le capitaine Jack Sparrow. Je n'avais aucune idée de la façon dont David Jones était revenu, mais je suppose qu'une fois Turner libéré, il y avait une place à prendre. Après tout, le Hollandais volant doit avoir un capitaine. Sachant que mon équipage serait plus que réticent à l'idée de voler Monsieur face de poulpe, j'ai pris la seule décision sensée, je ne leur ai rien dit. De plus, j'ai entendu dire que Jones s'est attelé aux études dans une forteresse marine où même les sirènes ne peuvent l'espionner. Il prenait toutes les précautions pour se dissimuler, lui et son nouveau trésor. Avec un peu de chance, je pourrais entrer, sortir et m'enfuir sans attirer l'attention de Barbe de Pieuvre. Après avoir décidé de dépouiller Jones de son bien le plus cher, tout ce qu'il me restait à faire, c'était de suivre ma boussole et définir un cap pour le Pearl. Okay. Et le dernier est là où tu es, à l'avant, je suppose. Ouais. J'arrive. Excellent. Entre les deux. Un entre vol les deux par le capitaine Jack Sparrow. Les pirates, des rats, on apercevait tout juste la forteresse de Jones quand l'équipage a compris la nature de notre destination et s'est empressé d'abandonner le navire. Les seuls qui restaient, c'était Gibbs, mais qui m'avait déjà suivi au bout du monde, Anna Maria, qui n'avait jamais fui un combat, et Scrum, qui était là. J'ai utilisé une chaloupe renversée, une de mes méthodes favorites, pour me faufiler inaperçu tout en guettant l'arrivée d'un éventuel coquillage suspect au service de Jones. Dans un élan surprenant d'efficacité, Raghetti avait récupéré le pendentif de Calypso, et sa mélodie me mena au cœur du Hollandais volant.
là, sur une étrange... sur une étagère dans la cabine de Jones, j'ai posé les yeux pour la première fois sur ce qui allait devenir mon trésor, le plus fabuleux butin dont un pirate pourrait jamais rêver, la clé vers d'innombrables mers. Voilà, succès déverrouillé. Voilà. Je m'aperçois que j'ai pas eu de succès pour les livres fantômes sur l'île, au passage. Hein. Je tiens à vous informer. Je sais pas s'il y avait un succès pour les livres fantômes, mais ça veut dire que dans ces cas-là, je les ai pas tous. On les a pas tous. Et ben voilà, je suis retourné sur le bateau, mes petits amis. Parce que ce navire n'a absolument aucun intérêt. Il est moche, personne ne veut avoir un navire comme le Black Pearl. Alors... T'es prêt à dépenser combien par 10 pour avoir le bateau? Je suis déjà monté sur le Black Pearl. Et le vrai, c'est ça? Tout ça, tout ça. Non, je connais quelqu'un qui est sur la scène, qui a un bateau qui s'appelle le Black Pearl, justement. D'accord. Ah, vive Paris. Enfin, c'est vrai qu'il est parisien, c'est vrai, on avait oublié ça, YouTube. Putain. Paris s'étend tellement que même les Picards deviennent parisiens, tu te rends compte? C'est-à-dire que bientôt les ch'tis seront parisiens. Du coup, on a rien gagné. Bah si, on a gagné du niveau. Je suis passé niveau 64, je crois, ou 65, un truc comme ça. 8000 balles. La honte. Même eu des déceptions. Alors qu'on leur laissait les 8000 balles, on leur laissait les niveaux, tout ce qui nous intéressait, c'était le Pearl, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. On leur donnait tout le reste, hein, y a pas de soucis. Hein. peut-être à refaire pour avoir peut-être tous les livres fantômes. Je sais pas regarder s'il y avait un succès de quoi que ce soit dans la fable. Faudrait ouais, voir. Pareil, on doit détruire les statues sirènes, on doit les détruire 10 fois. Venez à bout des navires fantômes oui. De la flotte de la confrérie de David Jones, il nous en manque 3. Ah oui, donc ouais, c'est encore le spamage de fable bien à l'ancienne quoi. Ouais, ça, ok, ça. Mais moi je parle des trucs qui sont pas du spamage. Il y a les livres fantômes dedans ou pas? Les livres sur l'île. Est-ce qu'il nous manque des trouver les journaux des pirates esselés. Il y en a 5. Ouais, j'en ai trouvé 3 ou 4, je crois. Trouver les 5 journaux sur le Black Pearl. Moi, il m'en manque un. J'ai pas trouvé le dernier. Ah, putain, c'est dommage. T'aurais dû demander pour le coup avant bah de construire. Bah pourtant, je vous ai suivi, tu vois. J'en avais un, deux, trois et... J'en ai eu quelques-uns, oui. Bah, vous êtes sérieux? Bah, j'ai eu les 5 en plus. C'est vous qui me les avez montrés. Mais oui, non, oui, bah, je pensais. Putain, mais vous dormez ou quoi? Vous étiez en train de faire des tours de piste du Pearl là? Ouais. Bon, allez, moi je vais y aller. Vas-y, bye bye. Ah, attends, tu vas peut-être attendre qu'on vende un poisson là. Comment? C'est juste devant là, on va vendre un poisson, monsieur. Et après, tu pourras faire. Ainsi qu'une émeraude bleue. Enfin, un caillou bleu. Une émeraude bleue, putain. Je vais pouvoir partir comme une anguille. Il est quelle heure? 21h42, on est tellement dans les temps, mec. Mais court ouais. Comme fable. En plus pour avoir galéré comme des sourds. Avec... À mort. En vrai, elle était courte celle-là. Mais en fait j'ai du vent arrière mais j'ai pas de voile. C'est ça le style de vie. Mm-hmm. C'est la vie de pirate. C'est d'avoir un vent arrière mais pas les voiles. Ça. Ok d'accord. Ça me va. Ouais on va tout rentrer. Tu es occupé à pêcher? Ouais moi aussi. Ouais pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Pas de soucis. Je m'en occupe.
Là, ici, on doit pêcher avec quel appât? Une ancre. Oh, ouais, ça arrive. Voilà. Notez à quel point vous m'êtes inutile. Oui. Ah non, mais on n'a pas le temps. Hop. Le monsieur, il doit aller se coucher. Il n'y a pas que lui qui doit aller se coucher. Touc. Il y en a qui ont de la route à faire demain. On peut vendre la caisse ? Il y en a qui passent des examens. Je sais pas, moi, on vend tout ce que tu veux. Fais pas chier. Pas chier, pépé. Ah ouais, il y a un peu de poisson à vendre. Oh bah, on a vendu tout ce qu'il y avait à vendre. Tableau des quêtes. Ah oui, oui, c'est vrai que ça, c'est le truc obscur qu'on te montrera jamais YouTube, bien sûr. Un élément de gameplay dont on en a rien à péter. Ah, quoique, on a les fameuses quêtes de Thief's Haven machin version Athena. Peut-être qu'on te montrera ça. Si un jour je le fais. Bon, si allez, vous êtes sage. Faites des bisous à ton tube. Des bisous, ton tube. À la prochaine. Ciao.